Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 14 sur Far Cry New Dawn, n'importe quoi, Far Cry 5. Ok, donc du coup ce qu'on va faire là, c'est qu'on va commencer par la mission où on va récupérer Sharky Bovshaw. Voilà, on va piller le camion. Voilà, un petit peu de points en plus. Let's go. On va aller faire ça, tranquillou. Et puis on sera pas mal. On va libérer l'otage. Merci. On a planqué du matos derrière la chute du Dead Man's Mill. En se battant contre la secte, une partie du moulin a souffert. Mais si tu parviens à le réparer, on pourrait arrêter l'eau et descendre en rappel dans la planque. Ok. Oh tiens, t'es méchant. Merde, oh tiens, t'es méchant. Hé, la résistance vient de mettre la main sur plein de nouveaux matériels. Jette-y un œil si tu passes dans une boutique. Ok, bah on ira voir. On ira voir ça, les amis. Maintenant, on va tout simplement faire cette mission. Allez, c'est parti. Ah, cette mission, je crois qu'elle me dit quelque chose. Medikit. Des balles. C'est des balles de ça qu'il me faudrait un peu en plus. Je sais pas ce qu'il fait derrière, mais ça fait mal. Sans m'inquiéter pour l'environnement. Enfin, là, j'ai un fut, ok. Mais tu sais, à tout moment, il peut disparaître. On va savoir ce qui peut se passer. Un système audio prêt à cracher la meilleure musique jamais créée à 110 décibels. À chaque fois que je le pousse à fond, les anges de la secte débarquent à toute vitesse. Et j'arrive pas à savoir s'ils aiment ou ils détestent. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de leur faire fondre la gueule. Et t'en fais pas. Les anges ont déjà le cerveau en friture. Je leur fais juste l'honneur de les envoyer au paradis du disco en beauté. T'as envie de m'aider? Tu verras, on s'éclate et ça restera entre nous. Tu peux même enlever ton froc si tu veux. Je vais lancer la musique et les faire danser au lance-flammes. Et toi, tu prends ton... je sais pas ce que t'as sur toi, là. On va griller des culs. C'est parti. Quel paradis.
Et... Ok. Oh. Aïe. Bien joué, Sharky. Sécurisons la zone. On va la ranimer. Hop. Allez, Sharky. Attends, les gars, on va se faire plaisir. Vite. Merde. Mais non, c'est pas vrai, putain. Sharky? Merci. On va recharger. Effectivement, ça a fait mal. On a bien ri. C'est con que tous les flics soient pas comme toi. Qu'est-ce que je peux te dire, mes gars? Toi et moi, c'est l'oxygène et le gasoil. On fait un putain de mélange. Ok, faut que tu y retournes. Appelle-moi la prochaine fois que tu affrontes des anges. Ok. Allez, bah voilà. Allumez le feu. Mission terminée. Et on a Sharky avec nous, c'est cool. Et on a Sharky. On va aller ici. Au docteur Lindsay, là. Non, non, j'ai pas trop envie de te suivre. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais? Mon cousin a vu des... C'est bon, t'es mort là? Mais arrête de courir! Oh! Alerte rouge, j'ai pris une balle! Dans le cul! Mon cousin a vu des cinglés emmener du monde dans leur couvent. Il continue à forcer les gens à intégrer leur secte en leur disant que c'est pour leur bien. Quelle bande de malades! Alerte rouge, j'ai pris une balle! Eh bah, dis donc! Oh putain, c'est pas vrai. Mon cousin a vu des cinglés emmener du monde dans leur couvent. Il continue à forcer les gens à intégrer leur secte en leur disant que c'est pour leur bien. Quelle bande de malades. Ok, couvent d'Eden's Gate. Alors par contre, l'autre, elle est morte du coup. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre...
On va prendre l'ours avec. Hop. On va se rendre ici. Ok, je suis assis, je m'accroche à mon siège, c'est parti. Et on y go. Et une fois qu'on aura fait cette mission, on va sûrement se faire quelques avant-postes peut-être. On va voir. Attends, il y a encore un truc à me dire, lui, ça c'est cool. Mon voisin m'a dit que la secte essayait de créer une drogue plus puissante dans la vieille serre. Déjà que cette saloperie change les gens en monstres, je veux pas imaginer ce que ça pourrait donner. Ok. J'adore les bugs. Allez, Sharky, fais-toi plaisir. Hein? Dégage, moi je veux pas te parler, toi. Bon, allez, hop. Fous-moi le con. Bien joué. Par contre, frérot, t'as enculé Cheeseburger. J'étais injuste à le préciser. Voilà. Ok. Par contre, pourquoi j'ai plus mon marqueur? Allez, on se casse. Il a encore un camp à me dire. Bah vas-y, moi je prends. Bonjour, ma copine était persuadée que la secte fabriquait de la drogue dans la vieille brasserie. Je croyais que c'était des conneries. Et vu ce qui se passe en ce moment, elle avait sûrement raison. Ok, bah ça, eh, c'est pas mal ça. Comme ça, on localise un peu tous les avant-postes. On va se marrer et on pourrait chanter avec la radio et puis compter les voitures rouges. Allons voir le professeur Charles, je sais pas quoi là. Putain, mais on s'arrête littéralement toutes les deux minutes. Voilà. Allez, c'est parti. Tiens. Attention, je vois des méchants. Oh ouais, je sais, Sharky, tu vois des méchants. Impeccable. Admire un peu comment je bouge. Je vais courir tellement bien, donc on rampe tes yeux. Alors toi, mon frérot. Attaque, Cheeseburger. Voilà. Sanctuaire détruit. Si vous croyez que la secte épargne les animaux, vous vous trompez. Ils ont du matériel à la Howling Cave dont ils servent pour capturer les loups.
Eden's Gate cédera jamais sans pas. Bon. Allez. Putain, l'ours, il nage plus vite que moi. Oh, une cage de survivaliste ici. Attends, je trouve pas ma sulfateuse. Ça, c'est réglé. Eh mais c'est qu'ils me font mal ces enculés là. Allez cheeseburger. Vas-y bouffe-le ouais. Oh putain du mortier. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Tu me rappelles les shérifs à l'ancienne. Un peu comme les Medjay égyptiens. Que Dieu te protège du mal où que tu ailles. Alors, qui c'est qu'on va appeler? Eh ben tiens, c'est peut-être l'occasion d'appeler un bon bourrin. On trouvera un moyen. Viens vers toi tout de suite. Oh, il faut pas cacher. Merci de m'avoir sauvé. Je suis le docteur Charles Lindsay. Je fais partie d'un groupe de gens qui sont à la prison, au sud d'ici. Ça fait des jours que Face et ses anges essaient de nous attaquer. J'étais sorti chercher un moyen de les arrêter quand la secte m'a trouvé. Je crois que j'ai trouvé quelque chose pour attirer les anges. Mais les ingrédients pour la pain sont dans mon sac, et la secte l'a jeté dans les temps. Mais, je sais pas nager. Je sais, c'est un scandale. Mais j'ai besoin de ce sac. Ok. Mon père a surnommé cet endroit l'anus du malin. Bon, bah on va aller chercher. Regardez en bas. Putain, on se fait canarder. Sharky, ça va être pour toi. Ok, ça c'est fait. J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît. Recevez la poire. Je crois qu'ils sont vénères. Ouais. Boum, pleine tête. Regarde. Oh, c'est génial. Allez, va chercher le pochon. Allez, quitte. Ok.
désolé, moi c'est Charles. Tout le monde m'appelle Doc, mais je suis pas vraiment médecin. Je suis vétérinaire, mais pour l'instant, je suis un peu l'urgentiste du coin. Soigner des blessures par balle, c'est vraiment très différent d'une mise bas. Vous pouvez me croire. Désolé, on s'en fiche. Voilà ce que je propose. J'ai trouvé un truc qui a l'air d'attirer les anges. Ce qui veut dire qu'on peut les contrôler. Je suis sorti pour faire des tests, mais tout a capoté. Putain de secte. Je suis à court d'ingrédients, et si je reste ici, je vais finir par me faire tuer. Il faut que je retourne à la prison. Vous pouvez m'aider? J'ai une liste complète de ce qu'il me faut. Si vous me rapportez tout, on a peut-être une chance de survivre. On a des cinglés. Oh, c'est la chute que c'était. Ok. Deux peaux d'antilope intactes et une peau d'ours noir. Les ours noirs, ils sont ici, quoi. Et les antilopes sont... juste là. Enfin, juste là. Ouais, à 500 mètres. Bon, bah allez, on va chasser de l'antilope. Maintenant, faut qu'on arrive à les trouver, ces antilopes, encore. Parce que généralement, c'est toujours pareil. Quand tu cherches à trouver un animal, tu le trouves... Enculé ! Yes, j'ai réussi. Oh, mais ça serait pas un bordel à faire péter, ça? Où est-ce qu'il est? Wesh, il est où? Ok. Reste là. Oh. Je sais pas comment cette drague s'est retrouvée encastrée chez Roy, mais ça a suffi à lui faire plier bagages. Il a dû se dire que son bunker était compromis. Je parie qu'il est complètement inondé. Ok, merci de l'information. On retourne chasser de l'antilope, les gars. What? C'est pas vrai. Bienvenue dans la grâce. Encore cette salope. Fait chier celle-là aussi là. Tu es la bienvenue chez nous et dans nos cœurs. Suis la voie et tu trouveras les réponses à tes questions. Mais je veux pas suivre la voie et je veux pas te suivre toi, cinglé dégénéré du cerveau là. C'est vrai que c'est un peu un autre délire hein, quand même. Avec FaZe. Hein. Tu la vois jamais réellement physiquement quoi. Nous devons être forts. Nous devons être vigilants. Tu verras.
Tu vas enfin comprendre. Parce que ceux de l'extérieur verront ce que nous avons créé ici ensemble, notre nouvel Éden. L'amour. Et ils viendront. Ils voudront nous prendre ce que nous avons construit. Tu me juges. Tu nous juges. Tu juges toutes nos actions. Les gens disent que je suis fou. Mais tous les matins au réveil, nous voyons les mêmes informations. Tes yeux ne subissent-ils pas l'horreur? C'est ça, notre monde! Ça! Ça, c'est le monde que nous léguons à nos enfants! Des communautés qui s'entre-déchirent. Des murailles qu'on érige parce que nos leaders sont incapables d'agir. Trop idiots pour nous montrer le droit chemin. Je n'ai rien demandé. J'ai été choisi. Nous sommes projetés vers notre destruction et personne n'est disposé à tenter de l'empêcher. Je le vois bien, et toi aussi. Et nous ne sommes pas fous. Alors que sommes-nous censés faire? Faut-il rester là à attendre l'inévitable? Je ne prétendrai pas être parfait. Mais je sais ce qui nous attend et je veux agir, aider, parce que la société est brisée. Et notre unique solution, c'est de redevenir ce que nous étions. Innocents et purs, à l'abri, protégés dans notre jardin. Je peux te sauver. Mmh. Oh, hey, oh, ouvre les yeux. Envoie l'adrénaline. Allez, 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 arrête de bouger. Allez, allez, putain, arrêtez de bouger. Il faut que vous restiez tranquille. Seigneur Dieu, tu nous as foutu la trouille. Shérif, il y en a deux qui sont pas revenus. Les gars... Qui s'est occupé de Burke? Grady, normalement, mais... Putain, où est Grady? Seigneur. Foutu. Faut que tu t'allonges, au calme. Je repasserai demain matin. Putain. Si vous essayez d'émerger trop vite, leur drogue risque de vous niquer un paquet de neurones. C'est rassurant tout ça. La grâce. Les puissances peuvent te poignarder dans le dos, officier. Un secte a planqué plein de matériel dans l'ancien camping au bord du lac. Je te passe les détails, mais j'ai réussi à piquer leurs clés. Ce qui veut dire qu'ils n'auront pas accès à leur planque avant un moment. Ça devrait te laisser le temps d'y aller et de tout prendre. Ok. Pas vraiment à l'amour quand même. On l'a cru qu'on t'avait... Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oh. Ça, je peux vendre parce que de toute façon, j'ai pas de... Il dit qu'il y avait de nouvelles armes, apparemment. Bon, non, en fait, il n'y a rien qui change, hein, concrètement. Ouais, c'est exactement pareil. Hop. Dans la grâce. C'est une super nouvelle pour le shérif. Essaie de voir si tu peux venir en aide aux gens du coin.
Moi, à la base, j'étais parti pour chasser de l'antilope, moi. On va aller la chasser d'antilope, je te le dis, moi. C'est ça que je voulais faire. Une peau d'ours noir et de l'antilope. C'est-à-dire que j'en avais de la peau d'ours noir en plus. Tu sais quoi? Peut-être que pour cette mission, je vais te prendre toi. Et on va prendre le chien, hop. Parce que si eux ils arrivent là-dedans et puis qu'ils te claquent un coup de lance-roquette, la peau elle va pas réellement être intacte, tu vois ce que je veux te dire? Mais il a rien l'hélico. Sauf je peux le réparer, non? Alors comment on fait de nouveau? Voilà. Attends, là je peux utiliser la tyrolienne techniquement. Oh, il y a un ours. Attends, je te suis, on va aller chasser. Elle l'a eu? Bah, tu me l'as flingué où, ton ours, là? Est-ce qu'on le voit sur la carte? Bah non, je le vois pas. Il y avait un ours hein, dans le secteur. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Tiens, c'est quoi? Vas-y, Lynch, pas trop tard. Putain, mais alors moi je vise comme un pied, hein. Aïe! Non, pas au fusil à pompe, ça va faire du dégât, ça. Ah merde, ça c'est du grizzly.
Ah cool, l'antilope elle est là. Ok, maintenant il faut de l'ours noir. J'avais vu la zone, non? Faut qu'on aille là. On va aller à la prison, ça va être plus rapide. Allez, allons chasser. C'est marrant, tu trouves pas? Hop. Ok. Ce truc empêche les méchants de sortir. Bah nous on veut les empêcher d'entrer. On sait. Voilà. Voyons voir. À plus, les débiles. Là. Une seconde, je me dépêche. Compris. Attends. Je suis pas loin. Passe devant. Attends, je l'ai vu. Je pars. Putain, mais je peux pas le sélectionner. Il y en a plein en plus. C'est quoi ce truc? Ah. Là. Putain, mais il se transforme, c'est nimp. Allez, on le suit, on le traque. Bah, il est pas assez haut, l'ours. C'est une blague. Recherchons un petit ours. Là. C'est bon. Ok, j'y suis. La suite. Parfait. Bien joué. Je suis arrivé. Ça va nous faire un peu de peau. Wesh, mais l'autre, elle est à 14 km là. Techniquement, j'ai posé l'hélico ici. Ok, c'est parti. Ça fait rien, on a un peu limé les pales. Moi, tu sais quoi? Moi, j'ai pas le temps, j'atterris carrément dedans, moi.
Bon. Non, là on peut pas rentrer. Merci pour ce que t'as fait à la prison. De rien, de rien. Passe une bonne journée. Je sais pas si je peux y arriver. Vous avez trouvé facilement ? Ah, moi ça m'aurait pris des mois. Les anges de Faith sont de vrais zombies. On les ramènera plus après une dose de grâce pareille. Mais avec ce truc, on devrait pouvoir les rassembler pour les mettre à l'écart. Quand ce sera prêt, est-ce que vous pourriez aller faire un test sur le terrain? Je suis sûr que ça marchera. Je suis sûr à 95%, disons. Mais il faut qu'on soit certain. Ok. Est-ce que l'enceinte arrêtera pas ici? C'est un putain de fantôme. Les cinglés vont avoir un mal de chien à reprendre cet endroit. C'est une putain de forteresse. Bah. Bonjour. Ok, bon, ça me l'a pas validé la quête. C'est grâce à vous que mon matériel a été sauvé. Bon, bref, on verra ça plus tard. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Porte-toi bien et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.